Ah ouais, on est dans la souffrance là du pancake. On est entré pour manger des pancakes. Enfin, moi. Surtout toi. Surtout moi, je suis entré pour manger des pancakes. Regardez là, le pancake. Hello les explos. Aujourd'hui, je vous emmène à Budapest. Et je ne suis pas seule. Je suis avec ma copine Cathy, c'est elle à gauche. On s'est connus au lycée pour la petite présentation. On s'est retrouvés grâce à Instagram. Suivons le guide. Si t'es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis partie au Luxembourg avec elle. Je mettrai le lien de la vidéo en description. Cathy, c'est un oiseau aussi rare que moi. Alors, c'est-à-dire que avant de décider d'aller à Budapest, je lui ai proposé Budapest ou l'Algarve. J'avais déjà été en Algarve. On s'est dit, pourquoi pas Budapest? Ça nous fait peur. Ça nous fascine à la fois. Même si on est des femmes noires, on se dit pas que c'est la destination qui va le plus nous plaire. L'Algarve, c'est stylé. On va tenter Budapest. D'ailleurs, si tu aimes les destinations un peu atypiques, abonne-toi à la chaîne. Tu es au bon endroit. C'est parti, allons voir ce que Budapest nous réserve. Si tu débarques, t'étonne pas, ici ce n'est pas juste un vlog, on apprend aussi des choses. La ville de Budapest est séparée par un fleuve, le Danube. D'un côté il y a Buda et de l'autre côté Pest. Il faut savoir qu'il y a 8 ponts pour relier les deux rives. Bien que la Hongrie fasse partie de la zone euro, la monnaie locale est le florin et la vie est très peu chère. On y retrouve donc toutes les grandes enseignes moins chères. On va ici là. Enfin on croit. On y va ? Ouais. Bon ben c'était rapide. Hein. Nous sommes descendues toutes confiantes et voilà, nous sommes face à la route. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi j'adore visiter sans même faire de plan. Alors parfois ça donne ce genre de déconvenu, mais pour moi c'est ça l'essence du voyage. D'ailleurs quand je voyage, je marche énormément. Mais si tu préfères tout préparer à l'avance et savoir quelles excursions tu dois absolument faire, je te mettrai des liens dans la description. Ce sont des liens qui me permettent de gagner quelques petits euros si tu réserves en passant par eux. Ceci est une spécialité hongroise, les gâteaux cheminés en français. Je sais pas comment ça se prononce exactement, autrement, mais débrouille-toi avec vite. Thank you so much. Alors, comment c'est ? Très bon. Un verre bien mérité, j'avais tellement mal aux pieds là. Bon, la télé en français, on sait pas pourquoi. Et ça fonctionne pas. Pourquoi c'est en français ? On sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas regarder la télé. Voilà, j'appuie sur presque tous les boutons. Hein. Aucun signal. Un petit vlog. Nous sommes le 21 avril 2022. Je viens tout juste d'emménager à Los Angeles vers Hollywood. Je sais, très cliché. Et c'est bon. La brioche. Mon truc. Fraîchement dressé. Une autre chose que j'aime énormément quand je voyage, c'est découvrir ce que mangent les locaux. Alors j'avoue qu'avec la mondialisation, c'est super difficile de se cantonner à la gastronomie locale, mais n'empêche qu'aller dans les boulangeries, pâtisseries, ça, c'est un véritable kiff. Et je sais pas pour toi, mais je trouve qu'ils ont des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait aux Antilles. C'est donc parti pour une deuxième journée. Toujours pas de plan fixe, mais j'ai un guide touristique dans mon sac et on va en direction du Parlement. À pied, hein, parce qu'il fait beau, pourquoi s'en priver ? Inspiré par le palais de Westminster, le palais a vu le jour pour sceller l'union entre Buda et Pest. Nous sommes actuellement au Parlement. C'est immense. Vraiment, c'est hyper grand. Mon Dieu, je ne sais pas par où on doit commencer pour voir où est la meilleure vue, peut-être. Peut-être par là, derrière ça, là. On va aller là. Mais avant d'y aller, je te laisse admirer
les alentours en face, sur le côté, parce que c'est vraiment immense et impressionnant. Et je vais pas te mentir, il y avait un vent, limite il faisait froid. Ça y est, nous sommes du côté que je t'ai montré précédemment. Hey, c'est vraiment immense en fait, tout est grand ici. 17, c'est le nombre d'années qu'il a fallu pour construire le Parlement. 18 000 m², ce qui en fait un des plus grands parlements du monde. 691 pièces, 10 cours extérieures, 29 escaliers, 13 ascenseurs. 14 000 ampoules. Il se dit d'ailleurs que le Parlement a coûté tellement cher que ça aurait pu contribuer à construire une petite ville. Il y a des villes qui sont faciles à visiter en 2-3 jours. Budapest, je dirais 4-5 jours, voire 5-6 jours. Une semaine, vas-y, c'est bon. Budapest, c'est vraiment un endroit où tu peux pas dire tu peux pas t'asseoir. Hein. Il y a beaucoup de bancs. En attendant, nous on va ici. Nous sommes donc au mémorial des chaussures. Une soixantaine de paires de chaussures en métal sont installées ici face au fleuve pour commémorer les victimes de la Shoah à Budapest. Recontextualisons, nous sommes en 1944. Le parti des Croix Fléchées arrive au pouvoir. Ce mouvement antisémite et fasciste, inspiré du national-socialisme allemand, assassine des centaines de juifs. Quel est le rapport avec les chaussures? Eh ben, c'est tout simple. Une partie d'entre eux, avant d'être massacrés en bord de Danube, furent sommés de se déchausser avant l'exécution. Et c'est donc en 2005 que deux artistes, Khan Toge et Julia Power, installèrent cette œuvre. Pardon pour la prononciation. Un monsieur vient de nous dire que 30 euros, ce n'est rien pour nous. C'est clair. Sous prétexte que le salaire moyen est beaucoup plus important en France, on devrait payer 30 euros sans réfléchir, parce qu'on a les moyens en fait, selon lui. Mais oublions tout ça, c'est l'heure de manger, on a trouvé un brunch, j'ai envie de manger des pancakes, on est entré, c'est tout. C'est comme ça, ça tue le doigt. Tu veux boire un truc? Non, le café. Tremper ça. Tu mets une petite fraise pour toucher le goût à la fin. Tu manges la fraise, le pancake avant, qui est bébé, et après tu manges la fraise. Comme ça, tu touches le goût. Ouais, parce qu'en fait, on n'aime pas. Et du coup, comme on ne devait pas laisser ça sans. Moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que clairement, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est un morceau de pain là. Il reste encore. Il reste encore ça. Tu peux encore canaliser ça. Il y a 1, 2, 3, 4, ça je coupe en 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux je peux prendre encore. Non, moi je peux pas. Non, moi. Ah, ok. 5 morceaux je peux prendre. Après, je. Non, moi je suis arrivée au bout de ma vie là. C'est parti. Je pense que. Ah ouais, il est bien imbibé. En fait, ils ont mis beaucoup de sirop déjà. Je t'as pas mis assez. Parce que moi, quand j'aime, j'aime vraiment beaucoup. Non, mais déjà, parce que parfois ils mettent moins que ça. Hein. Oui, je sais. Ah ouais, on est dans la souffrance là du pancake. On est entré pour manger des pancakes. Enfin moi. Surtout toi. Surtout moi, je suis entré pour manger des pancakes. Regardez là, le pancake. C'est même pas l'apparence, c'est le goût en fait. Mais déjà l'apparence, c'est pas normal. Mm-mm. Ça ressemble pas à un pancake. La mienne est pas assez grosse pour tuer le goût. La mienne, je veux dire. La mienne, c'est. Ah j'avoue. Non, c'est chaud. Moi j'ai abandonné, j'ai pris un cocktail pour faire descendre ça là. J'espère que cocktail là bon. Voilà ce que j'ai décidé de prendre pour faire descendre ça là. Pour rester le goût dans ma bouche là, parce que ça a un goût de levure, de bicarbonate, mon passage. De farine, de foncé. Ouais. Et nous voilà repartis en balade.
back. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Alors je suis le genre de personne, quand je goûte à quelque chose en voyage et que j'adore, oh là là, je retourne tous les jours si je passe devant. Et clairement, pour le gâteau cheminé là, on est passé devant tous les jours, j'ai acheté tous les jours. Jugez-moi. Better frame into a better name. Society's insane, we all live for fame. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught. Bienvenue au hall. Ça fait ma 21h, il est 17h et quelques. Et ben c'est fermé. Enfin, c'est ouvert, mais il y a rien. Take a train ride just to see. For hours just to please you. You don't know how. Quand je te disais que ça ressemble beaucoup à ce qu'on mange aux Antilles, précisément en Martinique, et ben c'est réel. Et oui, je l'ai acheté. Et oui, c'était bon. Donc on fait du paprika. Du coup, on achète du paprika. Ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi c'est là. Et ça c'est pour tester parce que j'aime bien tester les choses. Voilà, et j'ai acheté des lunettes parce que mes lunettes sont cassées. Gars, mes lunettes sont cassées. Mais comme je connais personne ici, donc il faut aller les nouvelles. Mais bon, on part c'est une petite balade nocturne. Les aventures de la nuit, alors qu'on a la flemme, hein, mais on y va. C'est parti. Moi j'ai plus envie de dormir que de marcher. Mais en vrai de vrai, le truc c'est que comment c'est qu'on a, il y a plus de choses qui reviennent. Du coup, bah, autant y aller maintenant. Comme ça, on n'aura pas ce regret là. Et les journaux regardent bizarrement, enfin moi, parce que je tiens ma caméra et que je parle en même temps. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, eux non plus on ne les reverra pas. Nous voilà encore du côté du Parlement parce que la vue de nuit elle est juste incroyable. Nous voilà devenus photographes de nuit en carton puisque nous n'avons qu'un téléphone. Cathy est en train de photographier une jeune fille là et elle y met vraiment toute son énergie, comme vous pouvez le voir. Elle est à l'action, en action, et elle donne tout. Bon, maintenant c'est au tour de Cathy d'être photographiée. Est-ce que la fille va lui faire une photo? Je ne pense pas. Non, mais c'est toi qui en fais. Apparemment, c'est à moi de faire la photo, les gens. Vous trouvez ça normal? De quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal que Cathy m'exploite? Comment je suis spéciale pour toi? Franchement, vous trouvez pas ça normal? Comment je me fais exploiter? Vous trouvez pas ça? Bien sûr. Comment je vais assister? Je vais attirer pour toi, Florian. Et toi qui me regardes, t'aurais choisi l'Algarve ou Budapest? Désolé, je suis désolé, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je suis sortie avec prudence et précaution.